Personnellement, je n'ai pas le courage ni l'aide à lire cette œuvre majeure de la littérature. Oui, je voulais juste ajouter comme ça que j'avais traduit les poèmes de Mina et que naturellement je ne sais pas du tout le serbe. Ouais. Je suis très content d'avoir fait ce travail avec Mina et je trouve ces poèmes très, très beaux et je m'en suis inspiré comme un musicien s'inspire d'une partition pour jouer de la musique. Et je pense que la traduction ne peut être qu'un commentaire ou quelque chose d'inspiré et non pas quelque chose qui rendrait finalement mot pour mot la pensée. Ça s'appelle directive centralisatrice. Voilà. Bon, faut arrêter. La punaise. Tu es revenu, être répugnant, avec ta petite tête qui oscille sur elle-même. Tu as avalé la poudre d'un insecticide mortel de l'empoisonneur. Et je dis que tu n'as jamais eu le droit de vivre. Ni le droit d'avoir une meilleure mort. Comme tous ces pauvres êtres pitoyables qui grimpent, qui rampent, qui mordent sur des béquilles et aussi sur eux-mêmes. J'achève cette métaphore à travers la fenêtre sur les cordes à linge et à travers l'espace et à l'instant où je te tue. Je dois te dire ce que je ressens pour toi. Comme tous ces pauvres êtres pitoyables qui grimpent, qui rampent, qui mordent sur des béquilles et aussi sur eux-mêmes. Tu vois, toi et moi, nous venons d'une autre histoire, oui, où ils aiment le sang, la nuit romantique et le secret d'une fraîche peau qui hante le vampire. Comme tous ces pauvres êtres et pitoyables êtres qui grimpent, qui rampent, qui mordent sur des béquilles et aussi sur eux-mêmes. À chacun son rêve. Dans un quelconque trou sombre de l'univers, nous allons tous enterrer nos corps fatigués. Chacun reposera cette tête nue et sa peau lisse, et chacun restera rigide et jaune, exactement comme toi à cet instant, lorsque tu te glisses sous mes vêtements. Comme tous ces pauvres et pitoyables êtres qui grimpent, qui rampent, qui mordent sur des béquilles et qui oscillent sur eux-mêmes. Bravo! Excuse-moi, je n'ai pas pu applaudir, mais je applaudis quand même. C'est pas grave. Attends, je t'ai fait une question. Caroline? Cédric heureux, mon héros, il a mené sa 23 migrants et les a trouvés abri. Thank you.